Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Avec ce soir Claude Sarraute, Gérard Miller, Jean-Luc Lemoine, Annie Lemoine, Philippe Gueluc et Perry Cochin. Ah, Claude. Ah oui, toujours, je sniffe. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous êtes malade? Ben oui, j'ai la crêpe. Mais tu devrais essayer avec un marqueur, ça non, peut marcher. Non. Ça, c'est très bon. Qu'est-ce le qu'on sniff. Peut faire pour vous soigner, ma petite Claude? Eh ben la sniffette, voilà, il n'y a rien de meilleur. Alors là, Gérard, d'habitude, j'ai des reproches à faire à vos pulls, mais celui-là. J'ai une habilleuse maintenant personnelle. Habillée tout en bleu comme Michou. Michou qui sera l'invité de Vivement Dimanche. Tout un dimanche pour Michou, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je sais pas. Après l'amiral de Gaulle, après l'impératrice d'Iran, après Alain Delon. Est-ce que Michel Drucker pense à une reconversion? Ah, on pourrait le penser. En plus, c'est un hommage au Schtroumpf. C'est évidemment. Et je sens les enfants, le moine d'humeur coquine, non? Non, on a été séparés, donc ça nous fait bizarre. Ah oui, vous vous retrouvez là, quand même. Mais oui, c'est comme des siamois, on nous a séparés, donc là, je sais pas, il me manque quelque chose. Et vous, bah, dis tout de suite que tu veux pas de moi à côté de toi. Si, si, mais toi, c'est pour le fantasme, c'est pour autre chose. Qu'est-ce qui se passe, Annie? Vous avez l'air toute timide, toute... Ah non, moi j'attends qu'on attaque les choses sérieuses, vous me connaissez. Parce qu'il y a des choses sérieuses dans cette émission. L'actualité, tout ça. Enfin, alors, la photo du jour, voilà. Réclamez-la, elle arrive. Et la photo, c'est celle de Grégory Coupé, le gardien de but de Lyon. Ça va vous intéresser, ça, Jean-Luc Lemoine. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Finalement, sa main va bien. Blessé lors du match contre la Real Sociedad mardi soir, il croyait souffrir d'une fracture et en fait, c'était juste... Une entorse. Voilà, un hématome. Un hématome. Alors, de deux choses l'une, ou c'est une nouvelle affaire de fausse fracture à Lyon, ou c'est le professeur Dubernard, spécialiste de la greffe de la main à Lyon, qui a réussi une nouvelle opération en un temps record. En fait, ce qui avait inquiété le Gaulle lyonnais de l'équipe de France, d'ailleurs, c'est que quand il s'est blessé mardi, autour de lui, il n'arrêtait pas d'entendre « il faut couper, il faut couper ». Alors forcément, c'était pas rassurant. Que je peux me mêler de la conversation, je voudrais souhaiter à M. Coupé un prompt rétablissement. Pour une fois que je peux parler foot, c'est quand même important. Vous allez pouvoir continuer à parler foot, Gérard. On va rester dans le foot avec cette photo de Diego Maradona, publiée par Le Parisien. Âgé de 43 ans, celui qui a été le meilleur footballeur de la planète joue maintenant au golf. Et on voit bien qu'il s'est éloigné du régime argentin. Hein. Pour pouvoir à nouveau se produire dans un stade, la seule solution qu'ait trouvé Maradona, manifestement, c'est doublure de Pavarotti. Hein. Rien d'autre. C'est terrible. Enfin, un footballeur qui ressemble à un ballon de foot. Mais d'un côté... Mais attends, c'est un tel soulagement. Il est tellement content de pouvoir boire et manger à sa faim. Non, mais attends. Plus, il s'en fout. On peut avoir un peu d'embonpoint et rester élégant. Parce oui, qu'il sait bien s'habiller, en plus. Ce short est d'un chic inouï, excuse-moi. Non, mais attendez. Chez nous, on a eu un très grand footballeur qui restait terriblement sexy, c'est Platini. On n'est pas obligé de devenir comme ça. Mais si, au contraire. Mais c'est un bonheur de devenir comme ça. Mais... De tout lâcher. Moi, si je pouvais. Pourquoi vous voulez jouer au foot encore? En tout cas... Quand on voit ce qu'est devenu Maradona, on comprend mieux pourquoi Zizou, Zinedine Zidane, veut jouer le plus longtemps possible. Parce que s'il devient comme ça après, c'est quand même beaucoup moins bien. Et même, le chouchou de ces dames, David Beckham, regardez, comme ça, il est beaucoup moins métrosexuel. Hein. Ah non, mais pardonnez-moi, mais j'ai peur pour sa santé psychique, quoi. Et ce type va mal et ça se voit par tous les pores de sa peau. Ah, parce que toi, tu crois que les gens minces vont bien? Écoute, non, il y a de l'anorexie aussi, mais là, on voit bien qu'il va mal, il transpire un malaise, un mal-être. Tu vois, il y en a qui finissent tôt, comme Pantani, puis lui, il va peut-être finir bientôt, gros. Mais je sens un vrai mal-être chez lui. Ça finit gros, c'est fait, hein, je vais vous dire. Ouais. Sérieusement, non? Il est en bonne voie, en tout cas. Une autre photo. Et on revient à la politique avec les régionales, les candidats en Île-de-France, Jean-François Copé et André Santini, qui, d'après les sondages, sont au coude à coude. Mais comme Santini a une propension à lever le coude plus facilement, il va finir par passer devant, c'est sûr. Le danger avec André Santini, comme il aime les bonnes blagues, c'est que les électeurs ne souhaitent pas qu'il soit au deuxième tour, parce que quand même, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Vous croyez qu'ils ont le même conseiller
marketing et image, la cravate rouge. Habillés, pareil, vous avez c'est raison. Incroyable. En même temps, il n'y a pas 36 solutions quand on est homme politique hein, pour s'habiller, non? Oh bon, si, non, tu cravate, il y en non, a des tu, milliers. Tu ne peux pas t'habiller comme Stevie, ça passera pas, je t'assure. Ou même comme Maradona. Oui, c'est ça. Une autre photo, celle de Jean-Pierre Raffarin, qui a décidé d'accorder une fleur au restaurateur plutôt qu'au chercheur. Il faut dire que c'est plus marrant quand même de s'installer autour d'une table avec des restaurateurs plutôt qu'avec des chercheurs. C'est vrai, une tête de veau ravigote, c'est quand même meilleur qu'un cerveau de souris molécule. Le Premier ministre a donc fait son choix, et si on ne trouve pas de vaccin, on mourra peut-être un jour du cancer ou du sida, mais quand même en mangeant pour moins cher. Gérard. Ce qui est terrible, c'est apparemment les calculs électoralistes. C'est-à-dire que le Premier ministre considère que c'est beaucoup moins grave de se mettre à dos les chercheurs que de se mettre à dos les restaurateurs. Oui, parce que les chercheurs votent déjà à gauche, alors que les restaurateurs votent à droite et ils menaçaient de voter Front National. Voilà tout simplement pourquoi, Gérard. C'est aussi plus simple de faire un chèque parfois que de faire une réforme. Et là où parfois les deux mondes se rejoignent, c'est que parfois les chercheurs cherchent un restaurant, tout simplement. Une autre photo. Celle du Paris-Nice, dont la quatrième étape a été annulée hier en raison de la neige et du froid. Pour une fois que les cyclistes n'avaient pas prévu assez de médicaments pour lutter contre le froid, c'est quand même un fait exceptionnel. Faut dire qu'ils sont pas habitués, les cyclistes. D'habitude, la neige, c'est dans leur chambre qu'on leur livre. C'est rare, hein? Non, mais en plus, dans la neige, c'est difficile de faire du vélo, de mettre les chaînes sur les pneus de vélo. C'est pas... Vous n'avez pas vu la compétition? Il y a une nouvelle compétition maintenant où ils font des descentes en vélo, des vraies descentes de ski, sur des pistes de ski, mais en vélo. Comme dans la chanson, je descends de la montagne en bicyclette. Ouais. Voilà. Je ne connais pas cette chanson. Non. On peut descendre de tout. De à la cheval. C'est quoi, je descends de la montagne en trottinette. Je descends de la montagne. Je descends de, là, de la montagne. Je descends de la montagne en pédalo. Tchoum tchoum, et puis on fait tout ce qu'on veut. Ah oui? Vous ne connaissiez pas? Non. Ça manque c'est de votre belge répertoire. Comme chanson. Non, parce qu'on n'a pas de montagne chez nous. Ah oui, c'est vrai. Une dernière info qui nous vient de Floride. Des pompiers ont tellement fait vite pour répondre à un appel d'urgence qu'ils ont, je vous jure que c'est vrai, oublié une poêle sur le feu dans leur cuisine. Quand ils sont revenus, leur caserne était en feu. Ben c'est bien, ça leur fait de la publicité pour leur prochain calendrier des pompiers à poêle. À poêle sur le feu, bien sûr. Hein. Ça me confirme. Moi, personnellement, ça me confirme en tout cas que je n'aurais pas pu être pompier parce que moi, quand je pars de la maison, je retourne au moins 3 fois vérifier que j'ai bien coupé le gaz ou fermé les robinets. Les pompiers sont en tout cas des gens manifestement très distraits. Ils n'ont pas de mémoire, les pompiers. La preuve chez nous, regardez Maurice Pimpon. Je tiens à préciser que la photo du pompier qu'on est en train de vous montrer n'est pas forcément un pompier qui appartient à la caserne de Floride qui avait oublié une poêle sur le feu, mais c'était pour vous faire plaisir, Annie Lemoine. Donc, c'est pas la peine qu'on aille en Floride, Perry. J'ai bien compris. Mais tu sais qu'on allait même à côté de la maison. Hein. Ah bon? Ah bon? Moi, un jour, j'ai eu une inondation, j'ai appelé, 3 pompiers sont venus. Je peux te dire qu'ils étaient pas loin de ça. Hein. Qu'est-ce que t'entends par une inondation? On a connu récemment au théâtre une pièce qui s'appelait Les monologues du vagin. Voici maintenant Les marionnettes du pénis. Ça n'a rien à voir, mais quand même, c'est un spectacle pas forcément à apprécier en famille que vous pourrez aller voir dès ce soir, si vous en avez envie, au Palais des Glaces à Paris. L'histoire, eh bien, il n'y en a pas. En fait, pas besoin d'histoire, puisque pendant 1 heure, les 2 comédiens, Benjamin Cuche et Jean-Luc Barbeza, font des acrobaties avec leur sexe, leur pénis. L'œil qui cligne, la manivelle, le monstre du Loch Ness, il y a aussi le hamburger, le pélican, ça dépend des soirs. Nous avons envoyé Claude Sarraute, Annie Lemoine et Perry Cochin voir ce spectacle. Elles vont nous en dire un mot dans un instant pour tester ensemble les marionnettes du pénis. Voici ceux qui ont accepté de reprendre en France ce spectacle qui à l'origine est australien et qui tourne partout à travers le monde, à Broadway, à Londres, et qui est pour la première fois à Paris, joué par 2 Suisses, Benjamin Cuche et Jean-Luc Barbeza. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie.
Alors autant le dire. Tout de suite à nos téléspectateurs, n'éloignez pas les enfants, ça ne sert à rien. Ils ne feront pas de démonstration sur ce plateau à une heure de grande écoute. Ce n'est pas permis, vous le savez. Il paraît, oui. Est-ce que quand même le spectacle est interdit aux mineurs ou à... Non. Mais écoute, il n'y a pas de censure dans les théâtres en France. On peut faire ce qu'on veut dans les théâtres à partir du moment où les gens payent pour voir le spectacle. On fait ce qu'on veut. Le, oui, spectacle, enfin... le spectacle est interdit au moins de 16 cm. Alors il faut expliquer. Oui. Pas vraiment, il n'est pas interdit au moins de 16 cm. Je suis même pas sûre qu'il soit à 16 cm. C'est vrai, hein. Bah, c'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui est plus long que l'autre. Alors attention. C'est vrai. Avant d'en dire plus, il faut quand même préciser pour tous ceux qui nous regardent que ce n'est pas du tout un spectacle pornographique, hein, et rien de sexuel là-dedans. Pas du tout, vous faites des marionnettes pour amuser les spectateurs, un peu comme de la pâte à modeler, mais sauf que l'instrument n'est pas de la pâte à modeler, c'est, on va dire, allez, le pénis et les testicules qui servent aussi. Ah ben oui, ah oui. Oui, et le scrotum, qui est, la peau qui est autour des testicules, absolument. Est-ce que qui vous... est élastique, d'ailleurs. Laurent, je rappelle que ça se joue au Palais des Glaces. Est-ce que vous, Benjamin Acuche et Jean-Luc Bezat, qui avaient déjà fait une carrière en duo d'humoristes avec des sketchs qui n'avaient absolument rien à voir avec ce spectacle, est-ce que vous avez hésité longtemps avant d'accepter de reprendre ce spectacle? D'abord, est-ce que c'est vous qui avez postulé, peut-être? Bigard, donc Jean-Pierre Bigard, le producteur du spectacle, qui nous a appelés. Qui a les mêmes goûts que son frère, donc manifestement. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans la poésie la plus totale, quoi. C'est vrai, voilà. Que c'est pas un spectacle de poésie. Dire, non, ça reste plus, au niveau du slip, quoi, quand même. Hein. Ouais, mais là, on a carrément un pas en avant. Hein, là, on l'a enlevé. Et, ouais. et pourtant, vous avez Bigard, la poésie, la bite. Non. Mais enfin, quand même, il faut pas avoir des dispositions pour arriver à, parce que moi, j'avais vu les types, ce qu'ils faisaient sur scène à Montréal. Je me disais, mais comment ils faisaient? Parce qu'il faut quand même avoir une certaine élasticité. T'as essayé en rentrant à l'hôtel à Montréal? Non, j'ai pas essayé. Je crois que tous les mecs vont essayer. Moi, j'ai cette impression-là. J'ai pas essayé parce que je me disais qu'il fallait, je sais pas, avoir une particularité physique pour y arriver, non? Mais je peux te dire que moi, quand j'ai vu le DVD, j'étais vraiment très impressionné. Et après, j'étais très fier de voir le résultat auquel j'étais arrivé, quand même. Ah oui? Oui, oui. Donc, je pensais que je serais jamais capable, tu sais. Quoi, Laurent, t'as pas essayé en rentrant à l'hôtel? Oui, t'as rien essayé. Figure, non, quoi, non, même non, pas l'hélicoptère. J'ai pas vu l'hélicoptère. Il y a l'hélicoptère. Bien sûr, il y a. Alors qu'est-ce que vous avez pensé, Perry, vous qui êtes allé au Palais des Glaces? Alors, très sincèrement... Mon pas, j'étais à côté de toi. Oui, oui, oui. Très sincèrement, je pense que c'est un spectacle qui ne devrait pas se jouer dans un théâtre, mais dans un bar, où les personnes qui sont autour du bar sont totalement bourrées. Mais oui, c'est vrai. Et c'est là que ça devient... peut-être drôle. Ça vous a surprise au moins ou pas? Ah bah oui, j'ai halluciné. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais partie sur un truc, effectivement, des marionnettes. Je me suis dit, il va y avoir peut-être des petits personnages attachés au bout de la bite. Je sais pas. Elle avait emmené ses enfants. Non mais... je savais pas ce que j'allais voir. Mais... Et... quand ils se sont mis à poil, je dis, bon, d'accord, pourquoi pas. C'était ça commence d'accord. Bien. Et puis après, je me suis dit, non, c'est pas possible, c'est affligeant. Et en fait, c'est affligeant, mais je suis sûre que plein de mecs font ça chez eux. En tout cas, moi, le mien, ça lui arrive de me faire l'hélicoptère à la maison. Ah et... bon. Bah, oui. Jamais, ça vous est jamais arrivé de faire le con avec votre bite. Oh, comme le mot est bien choisi. Non, pardon. Claude, alors moi, je suis... Claude. C'est un spectacle. Il faudrait interdire aux plus de 12 ans. C'est un spectacle drôle, marrant, de gamin. D'ailleurs, l'Australien qui a eu l'idée de ce spectacle, il a commencé à jouer avec son sexe et à imaginer toutes sortes de figures à 8 ans. Et je trouve ça drôle, charmant, potache. Charmant? Charmant. Et c'est la première fois de ma longue, longue vie que je regrette de ne pas en avoir eu un. Annie Le Mann. Moi, j'avais eu peur de faire des cauchemars après le spectacle, mais non, tout s'est bien passé. Non, c'est pas une publicité pour le pénis. Hein. Ah oui? Ah non. Ah non, je suis désolée. Pour moi, c'est un spectacle de marins bourrés australiens, quoi, c'est clair. Et je me dis qu'une femme, des femmes ne pourraient pas faire le même spectacle, et pour cause. Et c'est bien comme ça. C'est pour ça qu'on fait des spectacles intelligents. C'est pour ça qu'il y a eu les monologues du vagin. Et on ne pourrait pas parler du sexe féminin comme eux, ils parlent du sexe masculin, quoi. Est-ce qu'il y a du texte? Après, oui, il y a du texte. Il y en a mais... trop. Il y en a trop. Voilà. C'est-à-dire que... Mais comme vous avez raison. Claude n'en a pas eu pour son argent, alors, c'est ça.
Mais bien sûr, il y a du texte, mais contrairement au monologue du vagin, le texte ne parle absolument pas du sexe masculin. On n'est pas là pour faire des confessions intimes. C'est fait pour faire marrer. C'est juste pour déconner. C'est vraiment une déconnade. Alors c'est vrai qu'on peut penser au bar, que ça pourrait très bien se passer dans un bar. Ceci dit, vous êtes venu hier soir, on était vraiment en répétition. Et l'effet de ce spectacle, c'est que ça se passe devant 300 ou 500 personnes. Et la réaction de 300 ou 500 personnes sur les figures, elle est très différente que quand il y a trois... Ah, parce qu'il n'y avait pas de public. Non, c'était que pour vous. Alors ça, alors imagine nous. La scène, une salle nous. De 500 places avec trois filles. Et nous, on n'était que deux. Ah oui, c'est quand même des conditions très spéciales. Oui, oui. Alors, enfin, je ne vous cache pas, je n'ai pas vu le spectacle, je ne vous cache pas que à l'hôpital psychiatrique où j'ai travaillé longtemps, je verrai arriver deux types habillés comme vous qui m'expliquent qu'à la place de leur bite, ils ont la tour Montparnasse, ils resteraient un petit moment chez moi. Comment vous le faites, le hamburger, pour expliquer aux gens? En théorie, c'est-à-dire qu'on prend nos testicules du bout des doigts, on les écarte un petit peu, on enroule le pénis entre les testicules, et après tu fais une rotation de 90 degrés. Et la tour Eiffel, alors comment vous faites la tour Eiffel? Ah, c'est beaucoup plus simple. Techniquement. Tu tires un petit peu sur le pénis et t'écartes la peau en dessous pour faire un espèce d'arc. Oui. Puis tu te mets dans une position face à la caméra pour que ça donne l'impression d'une tour Eiffel. Ce qui est très difficile à faire, c'est l'antenne tout en haut pour la retransmission télévisée. Et vos femmes, dans tout ça, vous êtes totalement décrédibilisées? Alors écoute, il y a des gens qui, chez eux, devant leurs femmes, font l'hélicoptère. Je ne savais pas avant de venir ici. Et tac. Jean-Luc. Oui, non, mais moi j'ai. Vous avez failli reprendre le spectacle avec des recs, on m'a dit à un moment donné. Exactement, mais moi j'avais deux problèmes. Déjà, j'ai fait une figure, j'ai joui, donc c'était fini. Et puis... Quelle horreur. Faut prendre un imperméable au premier rang. Hein. Mais c'est vrai qu'on a laissé tomber figure du marteau piqueur, on l'a laissé tomber aussi. Oui, mais c'est ça, mais j'adorerais faire ça, mais moi je pourrais pas. Parce qu'il faut quand même être bien membré, un minimum. Moi, pas du tout. Parce que moi, non, franchement, moi, à la limite, je mets une clé au bout, je peux faire passe-partout, mais sinon, ça, je peux rien. Je peux rien. Oh, c'est un truc génial. Ils font Gainsbourg. Gainsbourg? Gainsbourg! Avec des lunettes, une cigarette qui sort de... Oh non, écoute, tu meurs! Il paraît que ce sont les créateurs qui vous forment. Oui. Comment ça se passe? Les répétitions. Génial. Vous êtes tous les quatre tout nus et vous dites, alors là, tu te tires dessus. Exactement. C'est le délire. Et je peux te dire qu'on a plein d'anecdotes pour nos petites soirées d'hiver, quand on va rentrer en Suisse, raconter ce qui s'est passé. Mais les répétitions, c'était incroyable. Ou trois semaines de répète. Vous avez réussi à vous distancier par rapport à ça? Au début, est-ce qu'il y avait de la pudeur quand même? Alors, sur scène, non. Mais c'est vrai qu'on a gardé la même pudeur. Moi, je pense que si je dois changer de caleçon de bain sur la plage, je vais continuer de mettre ma serviette autour de moi et je reste un garçon pudique. Quoi. Mais sur scène, non, il n'y a aucune pudeur. Parce que vous feriez la tour Eiffel sur la plage. Paris plage, ça a beaucoup de succès. Encore une petite question. Vous avez remarqué que nous avons tous des micros comme ça sur la veste. Pourquoi on vous a donné à vous des micros comme ça? Parce qu'à votre avis, où c'est qu'on mettrait les piles pour un micro comme le vôtre? On peut pas, nous, sur scène, on a un micro main ils aussi. Ils sont tout nus parce qu'en coulisses, ils ont fait une démonstration maquilleuse. Les marionnettes du pénis, c'est à partir de ce soir au petit ou grand? Au grand palais des glaces. Le palais dégueulasse, comme on l'appelle en ce moment. Les marionnettes du pénis, c'est Benjamin Cuche et Jean-Luc Barbeza, un spectacle qui tourne partout dans le monde pour la première fois à Paris. Merci à tous. Merci beaucoup, merci à vous. Bertrand Delanoë, qui c'est ce garçon? On pourrait répondre, c'est le maire de Paris, mais ça ne suffirait pas. La preuve, première biographie à propos de Bertrand Delanoë, biographie sortie le 4 mars dernier aux éditions Bellefond. L'auteur du livre s'appelle Philippe Martina, il est journaliste politique, et dans son ouvrage, construit à la façon d'un jeu de loi, il brosse le portrait de l'actuel maire de Paris, qu'il qualifie à la fois d'homme pudique, rugueux et néanmoins attachant. On dit toujours ça, hein, quand on veut dire du mal de quelqu'un. Pour tester ensemble Bertrand Delanoë, qui est ce garçon? Accueillons cet auteur, journaliste Philippe Martina. Bonsoir, bienvenue.
J'ai lu à votre propos que vous étiez un journaliste politique, certes, mais en plus spécialiste de la gauche. On peut comme ça spécialiser dans... Bah oui, en politique en général, on suit une famille politique et on la suit assez longtemps parce que ça permet de mieux connaître les gens et puis ils vous parlent plus facilement et ça nous permet de faire des papiers. Bon, et alors pourquoi Delannoy au sein de la gauche alors? Bah Delannoy, moi j'ai trouvé que c'était quelqu'un d'assez atypique. Bon, c'est quelqu'un qui part de Bizerte, qui passe par Rodez, qui n'est pas un énarque, qui n'a pas fait des études flamboyantes et puis finalement va se trouver propulsé très tôt sur la scène politique à un niveau assez élevé puisqu'en 83 il est déjà le numéro 3 du PS. Il s'écroule parce qu'il se plante lorsqu'il veut se présenter aux législatives à Avignon en 86. Et puis finalement, on le voit réapparaître un peu soudainement. Et bon, c'est quelqu'un qui en plus de ça a fait son coming out. Donc il n'y a pas beaucoup de gens sur le marché politique qui ont cette carte de visite. Alors ce livre, qui est une biographie, est-ce que c'est une biographie, comme on dit, autorisée ou non autorisée? Alors dans le jargon, c'est une biographie non autorisée. Non autorisée. Ce qui ne veut pas dire que le maire de Paris n'y a pas participé. Il m'a reçu, on a discuté, il a répondu d'ailleurs plutôt assez franchement et nettement lorsque je lui posais des questions. Lorsque je lui posais des questions qui étaient un petit peu à côté, il répondait un petit peu à côté, il est très fort. Voilà, il y a une enquête derrière. Et aujourd'hui, il l'a lu, vous avez un retour? Je crois qu'il n'est pas très content. Il est... disons qu'il fait des critiques, bon, c'est son droit. Je pense pas qu'il soit non plus vent debout sur le livre. C'est pas Jack Lang avec la biographie? Pas exactement. En tout cas, on reçoit pas de coup de fil de M. Delannoy pour nous interdire de faire de la promo du bouquin. Bon, vous m'avertissez. Jack Lang, non, pardon, Gérard Miller, lapsus révélateur. Ça n'a justement rien à voir. Le bouquin qui était sorti sur Lang était un bouquin calomnieux et fondamentalement hostile. Le vôtre, franchement, est un bouquin tout à fait honnête. Moi, la seule chose que je trouve désagréable dans votre bouquin, si je puis me permettre, c'est le titre. Je le trouve désobligeant parce qu'il a des petites évocations que je n'aime pas. Vous allez me dire que c'est sans doute l'éditeur. Qui c'est ce garçon? C'est pas de très bon goût. Mais à part ça... Mais non, c'est une phrase. Trouve... C'est une phrase de Ben Sayag. Oui. C'est une phrase de celui qui découvre Delannoy. Ça va bien. Je suis assez d'accord avec Gérard. On se comprend. Cela dit, ce que je trouve très réussi dans le bouquin, c'est que ça montre finalement Delannoy un petit peu comme on l'imagine. C'est-à-dire qu'il a... Vous me direz si vous êtes d'accord, un petit peu les qualités de Jospin, c'est-à-dire il a la rigueur, il a la volonté, plus le cœur, il a la capacité qu'a Chirac justement sur le terrain de rencontrer les gens, donc c'est un petit peu Jospin plus le cœur et Chirac moins les affaires. Et du coup, ça fait un personnage, c'est vrai, assez attachant. Moi, je sais un peu la réaction de Bertrand Delannoy, je crois qu'il est un petit peu choqué qu'on se soit intéressé à sa vie privée, à sa famille, à ses parents. Il vous a... retoquer sur une erreur, qui est notamment le moment... Voilà, le moment où il rencontre Sarkozy, vous faites une erreur, en effet, vous pensez à ce moment-là, chez Dalida, que Sarkozy est ministre du budget, alors qu'il n'était pas ministre à ce moment-là. Il ne se rappelle pas de Delannoy qu'il a rencontré Sarkozy à ce moment-là. Je trouve que c'est des détails. Dans l'ensemble, je trouve que c'est justement bien de faire une biographie honnête, informative, et dans l'ensemble, ça dégage un Delannoy plutôt très sympathique, c'est ce que je pense, moi. Parfait. Claude Sarraute. Alors écoute, moi j'ai adoré. D'abord, je trouve le personnage passionnant. J'ai appris plein de trucs qui m'ont intéressé, mais j'aurais voulu aller un peu plus loin. Il y a un truc quand même qui est tout à fait étonnant. C'est ce caractère abominable, ces crises de colère dont tu parles très souvent dans ton livre et que tu n'analyses pas du tout. Tu dis ça vient de ce qu'on se disputait dans sa famille à table. C'est pas ça non plus. Tu dis aussi ça lui permet de faire jouer son pouvoir quand il martyrise ses collaborateurs. D'où ça peut venir? Parce que c'est très rare. C'est rare à la ville et c'est très rare dans le monde politique. C'est unique. Comment tu peux le... Non, mais je pense que d'abord, c'est vrai que dans la famille, ce sont tous des colériques. Hein. Les parents étaient très colériques. Et puis, bon, je crois qu'il y a un tempérament. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. C'est quelqu'un qui est très perfectionniste, qui ne supporte pas l'à peu près. Et alors, il est très exigeant vis-à-vis de lui-même et très exigeant vis-à-vis de ses collaborateurs. Vous dites qu'il travaille beaucoup, donc il demande aussi à ceux qui l'entourent de travailler autant. Ouais. Annie Lemoine. J'ai trouvé que c'était une remarquable enquête, vraiment, faite par un journaliste consciencieux, intègre, qui connaît son truc. Donc, j'ai appris mille choses. Il y a plein de témoins de la vie de Delannoy qui ont la parole dans ce bouquin. Et je trouve ça bien. On découvre effectivement un Delannoy parce qu'on ne le connaît pas. Il est très secret. Il n'a jamais beaucoup parlé sur son enfance. Et là, tout à coup, on voit effectivement l'enfance en Tunisie, l'absence du père au moment où il vit son adolescence à Rodez. Enfin, on apprend mille choses. Ce que je voudrais vous demander, c'est vous qui l'avez connu, rencontré maintenant aussi, et puis bon, apprécié, jaugé. Est-ce qu'il y pense en se rasant le matin alors?
Je crois que là où il est, il ne peut pas ne pas y penser. Alors, lorsqu'on l'interroge, il fait beaucoup de circonvolutions. Je crois que c'est vrai que son objectif principal, c'est quand même de bien terminer son premier mandat et d'essayer d'en conquérir un deuxième. Et puis après, vous remarquerez qu'il ne dit jamais. Il vaut mieux pas dire ce genre de choses. Non, faut pas. Certains l'ont fait et ils s'en mordent encore les doigts parce qu'ils sont venus sur ce qu'ils avaient dit. Faut pas insulter l'avenir. Moi, j'avais lu vos autres livres, monsieur Martina. Martine à la campagne, Martine à la montagne. Et vous changez résolument de genre. Non, j'ai trouvé ça passionnant aussi. C'est Martine à la politique. Ouais, c'est Martine à la mairie de Paris. Non, mais forcément, on ne peut pas s'empêcher de se projeter dans l'avenir, parce que là, maintenant, les bases sont mises, on sait d'où il vient, on sait ce qu'il est, on sait ce qu'il pense, avec qui il travaille. Et puis autre chose, est-ce que quand on est journaliste spécialisé dans la gauche, on doit être de gauche soi-même? Bonne question. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a des journalistes de sensibilité de gauche qui suivent la droite, il y a des journalistes de sensibilité de droite qui suivent la gauche. Et est-ce qu'à force de suivre la gauche, est-ce qu'on n'a pas envie de les suivre? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vraiment, je crois que bon... C'est peut-être même la dernière des choses à faire, non? Oui, sûrement. Perry Cochin. J'ai beaucoup aimé votre livre et j'ai aimé la façon dont vous avez fabriqué votre livre. C'est-à-dire ce sont des petits chapitres de 3-4 pages chaque fois avec un intitulé très clair, l'amitié, les femmes, la famille, enfin bon, etc. Et vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait une enquête. J'ai trouvé qu'elle n'était pas assez aboutie, votre enquête. Parce que vous nous dites, par exemple, que Bertrand Delanoë a annoncé son homosexualité de manière officielle et son frère aussi... est homosexuel et le lui a dit un jour lors d'un rendez-vous qu'ils avaient eu tous les deux. Mais après, vous nous dites qu'ils sont fâchés et vous nous dites pas du tout pourquoi. Et on ne comprend pas pourquoi ils sont fâchés. Et c'est là le travail d'enquête qu'il aurait fallu mener. Dès l'instant où vous vous permettez d'aller sur le terrain de la vie privée, eh ben, je trouve qu'il faut pousser un peu plus loin. Mais j'essaye de montrer un peu que, bon, en fait, Bertrand reproche à Jean-Yves. Jean-Yves, c'est son frère aîné qui a 4 ans de plus que lui. Donc, il a fait la politique comme son petit frère, il a fait la communication comme son petit frère. Il aurait pu être, d'ailleurs, élu député en 81 comme son frère. Et puis ensuite, il devient homosexuel comme son frère. Il va à Bizerte comme son frère. Bon, je crois que Bertrand, ça commence un peu à l'énerver. En plus. Et donc, bon, je crois que ça, je pense qu'on peut le comprendre. Je crois qu'il y a d'autres choses, sans doute, derrière, que je n'ai pas pu éclaircir très précisément. Et donc, je n'ai pas voulu en parler parce que je n'ai pas tous les détails. Donc, je voulais écrire... Vous excusez pas, il faut comprendre notre camarade qui, elle, raconte à la télévision que son mari joue avec son pénis pour faire l'hélicoptère. Donc, elle veut beaucoup plus de détails. C'est chez Belfond, ça s'appelle Bertrand Delanoë. Qui c'est ce garçon? C'est signé Philippe Martina, qu'on remercie. Merci. Le mode d'acquisition immobilière par viager subsiste toujours en France. Acheter une maison ou un appartement en viager, c'est encore possible. Il s'agit donc d'acquérir, vous le savez, un logement en versant une rente périodique au propriétaire, tandis que celui-ci reste dans les lieux... jusqu'à sa mort. Ce n'est qu'après le décès du propriétaire que l'acquéreur peut jouir, comme on dit, des lieux. Les gens qui vendent leurs biens en viager sont souvent des personnes âgées. On est en revanche moins renseigné sur ceux qui achètent en viager. On sait juste qu'ils étaient très contents de la canicule l'été dernier. Perry Cochin a testé pour nous, acheter un appartement en viager. On en parle tout de suite après cette caméra cachée signée Jean-Pierre Petit. Bonjour, Perry Cochin. J'ai testé acheter un appartement en viager. Oui, excusez-moi, madame. Vous me disiez... Vous avez quel âge? Ah oui, très bien. Bonjour. Bonjour. Alors, on cherchait un appartement au départ. Et j'ai lu dans le Figaro, il y a 2 jours, qu'il y avait de plus en plus de viagers. J'ai un magnifique 5 pièces en mètre carré qui est occupé, bien évidemment, par un couple, 80-84 ans. D'accord. Mais vous avez des dossiers médicaux sur ces personnes, des renseignements? Absolument pas. Ah non, c'est absolument interdit, ça. Ne comptez pas sur nous pour vous dire, il est en phase terminale. Non, mais c'est sûr, mais moi, je suis honnête avec vous, hein. Je préfère de loin. Mais si vous voyez le viager comme ça, ne faites pas affaire, vous serez malheureux, je vous dis tout de suite. Parce que vous pouvez avoir une personne qui va dire, oh là là, il lui reste 3 ans à vivre, et en fait, il peut vivre pendant 15 ans. Bon, c'est un peu la loterie dans le viager, c'est tout là. Et attendez, on ne mise pas sur la mort des gens, je suis désolée. Bon, alors, nous, on voudrait un truc où il n'y a pas trop longtemps à attendre, hein, 90 ans et plus, peut-être, ou quelque chose comme ça. Pas trop longtemps à attendre, l'expression est un peu choquante pour moi, mais enfin...
si pour vous elle n'est pas assez principale. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas quelque chose que je trouve extrêmement sain. Il y a tout de même cette idée, lorsque cette personne décède, qu'on est satisfait. Mais est-ce que, par exemple, vous donnez un dossier médical sur la personne ? Un dossier médical sur la personne. Et il y a des femmes âgées qui sont de véritables comédiennes, et elles simulent peut-être une maladie ou elles toussent artificiellement pour essayer que vous payiez le plus cher possible son bien. Et bien, si vous croyez faire une très bonne affaire, vous en ferez une mauvaise, parce que la en fait, elle est plus forte que vous encore, et elle est en train de vous rouer. J'ai vu des gens moribonds vivre 6-7 ans, et j'ai vu des gens, je me souviens d'une. La dame du 20e qui avait la jolie petite maison. Moi, j'étais folle. Elle était là. J'ai dit, oh, ben, elle est superbe. Dis donc, ils en ont pour un moment, les braves gens. Le monsieur téléphone au bout de 6 mois. Je lui dis, madame, a-t-elle va bien ? Et il me dit, mais je suis dans le pavillon, elle est décédée. Non. Oui. J'en avais les bras coupés. Mais bon, vous, si vous nous dites, voilà, on a quelqu'un qui est pas bien du tout, on prend tout de suite, quoi, on n'attend pas. Peut-être qu'on la prendra avant, nous, voilà. On connaît pas le nom de l'état des gens, quand même, à ce point-là. Sinon, on aurait acheté tout ce qu'on avait à vendre. Les achats en viager, ça existe encore aujourd'hui. On peut effectivement continuer à acheter en viager. Il s'agit de trouver effectivement le bon client, j'allais dire, mais on est parfois déçus. Non, attendez, j'ai surtout appris que Jeanne Calment avait vendu son appartement évidemment, en viager. Vous ne le saviez pas ? Mais non, je l'ai appris hier pendant qu'on faisait un notaire d'Arles qui a acheté, j'ai même la date, je peux qui vous dire. Qui est mort avant elle. Alors, mais il a acheté en 1965. Elle avait 98 ans. Voilà, elle avait 98 ans. Il pouvait espérer effectivement être propriétaire très vite. Il l'a acheté en 65. Elle n'est décédée qu'en, pardon de dire ça, mais qu'en 1997. Et lui est mort avant elle en 1995. Mais... comme quoi, on ne réussit pas à tous les coups dans ce domaine. On va tout de suite recevoir un gestionnaire de patrimoine. Il met en contact ceux qui veulent vendre en viager et ceux qui veulent acheter, accompagné par, et là c'est aussi très intéressant, une acheteuse en viager. Elle va nous expliquer pourquoi elle est devenue une débit rentière, puisque c'est ainsi que cela s'appelle. Voici madame Nicole Drey et monsieur Michel Artaz. Installez-vous, je vous en prie. Alors, vous allez tout de suite nous dire, d'abord, si vous avez beaucoup de clients qui vendent ou qui achètent en viager, je m'adresse à vous, l'agent immobilier. Donc, il y a de plus en plus de vendeurs. Et il est clair qu'il est plus difficile de convaincre les acquéreurs parce que les phénomènes Jeanne Calment, bien entendu, ne font que les effrayer. Et surtout qu'il s'agit d'un très bon exemple, puisque c'était un notaire qui avait réalisé cette affaire. Vous alors, voulez dire, Laurent, qu'ils ont refroidi les acheteurs alors qu'il faudrait refroidir les vendeurs. Évidemment. Alors, c'est intéressant ce que vous dites. Il y a plus de gens qui sont intéressés par le fait de vendre en viager que de gens qui sont intéressés par acheter en viager aujourd'hui. C'est exact. Mais si, parce que l'espérance de vie n'arrête pas d'allonger. Autrement, ça m'aurait bien plu. De quoi, d'acheter ou de vendre? Non, de vendre. Vous pouvez acheter. Ah non, ça, je ne ferai jamais ça. Parier sur la mort de quelqu'un, ça je peux. Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont interdits d'acheter en viager? Par exemple, un médecin, est-ce qu'il a le droit d'acheter en viager? Ah, bonne question. Il est clair qu'un médecin n'a surtout pas le droit d'acheter en viager avec des patients dont il s'occupe, parce qu'il y aurait clair qu'il y aurait un caractère très malsain. Oh, mais enfin, il faut s'appeler entre médecins quand même. Ça devient, ah, je pense ça pas, du... J'espère qu'il n'y a pas d'échange, savez, effectivement, de bons viagers entre médecins. Ça devient du délit d'initié, c'est puni par la loi. De même, un serial killer n'a pas le droit d'acheter en viager non plus. C'est une question d'éthique. Juste un instant, parce que Claude a dit « Ah non, je pourrais jamais acheter en viager, c'est parier sur la mort de quelqu'un. » Et ça a beaucoup fait réagir Mme Nicole Drey, qui, elle, a acheté en viager. Alors, t'as pas honte ? Pas du tout. Et je vais expliquer pourquoi. Un jour, je me suis retrouvée à la tête d'un plan d'épargne logement et j'ai souhaité, grâce à un ami qui m'a conseillé, d'acheter un appartement à mon fils. Donc j'ai pris le journal. Et j'ai vu viager, dame, 62 ans, bouquet 200 000 francs, rente 3 500 francs.
Je me suis dit, tiens, ça c'est amusant. J'avais aucune connaissance du viager. 62 ans, c'est jeune. C'est très jeune. Ouais. Très jeune. C'était en quelle année ? 1988. 88. Donc ça veut dire que depuis. Elle est toujours vivante, cette femme ? Et puis elle se porte bien, j'en suis ravie pour elle. Bon, alors, depuis 1988, vous donnez 3500 francs par mois. Ça augmente parce que c'est indexé. Ah oui. Donc maintenant, je donne 5300 francs. Vous donnez 5300 francs par mois. C'est terrible parce que tous les ans, quand vous envoyez des vœux, vous lui demandez si elle va bien. Elle vous dit oui, vous faites oh. Alors attends, non. Pas mais du tout. Pourquoi ? Pourquoi faudrait-il être cynique et pas du. Au contraire. Pour avoir l'appart. Mais non, mais pas du tout. Et cette dame, elle est ravie. Elle me dit, grâce à vous, Madame Drey, je pars en voyage, je m'achète plein de choses. Je me sens de plus en plus jeune. Et oui, et alors mais ça, je ne le crois pas. Je vous assure, je vous crois tout à fait sincère, gentil. Je ne crois pas une seconde qu'on puisse placer de l'argent dans ce type de projet sans... qu'à un moment de son inconscient, on imagine la mort de l'autre. Comment voulez-vous, par exemple, vous prenez l'exemple des gens qui jouent à la bourse. Oui. Quelqu'un qui place en bourse et qui a des actions Vivendi. Quand l'action baisse, vous ne croyez pas qu'il en veut à mort à Jean-Marie Messier si. Évidemment, si, c'est si. Tout à fait logique. Attendez, excusez-moi. Ici, vous faites tous du viager sans vous en rendre compte. Ah bon, quand vous payez vos cotisations sociales pour votre retraite future, c'est du viager. Et vous prenez le risque que ne plus être là, eh bien, le jour où vous partirez à la retraite. Surtout si vous, vous partez à 75 ou 80 ans. Compte tenu de ce qu'on vous promet pour le futur. Alors, vous voyez, vous faites donc du viager. Est-ce que vous pouvez acheter la place de Laurent en viager, par exemple Moi, j'ai acheté celle de Bouvard, j'attends toujours. Giscard, le président Valéry Giscard d'Estaing, on le sait, avait acheté en viager le château de sa tante. Vous saviez ça? Je ne le savais pas. Je savais que De Gaulle avait acheté Colombelle et deux églises ont viagé. Il a eu beaucoup de chance. Et ça n'a pas duré très longtemps. Oui, au bout de deux ans, le type qui lui avait vendu en viager Colombelle et deux églises s'est noyé. Vous vous rendez compte ? Ah là là. Je voudrais ajouter quelque chose. On fait une bonne action en faisant ça parce qu'on les aide à vide. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que si par exemple elle tombe malade et qu'elle ne peut pas rester dans son appartement, vous prenez possession de l'appartement. Mais à ce moment-là, la rente, elle monte de façon absolument considérable, qui est prévue d'ailleurs au moment de la... pour qu'elle puisse avoir accès à une maison de retraite et qu'elle puisse continuer. Donc c'est quand même quelque chose qui est très bien fait, très bien cerné et qui est aussi dans l'intérêt... Moi, de ceux qui achètent, oui, de ceux qui vendent. Ceux qui achètent, ils font ça. Moi, j'ai fait ça, c'est un placement, oui. On sait que vous voulez le bien de votre vendeuse. On l'a contactée juste avant l'émission. Donc, elle vous remercie pour tout ce que vous faites pour elle. Par contre, elle a dit, c'est plus la peine à Noël de lui envoyer des patins à roulettes. Ça ne sert à rien. Mais vous voulez que je vous dise ? Allez-y. Quand j'ai acheté, nous avons signé au mois d'août. Au mois de septembre, elle m'a envoyé une lettre. Elle me dit, vous avez pas eu de chance. Parce que je me suis fait piquer par une bête en Turquie, j'ai failli mourir, vous avez raté le coche. Et j'ai trouvé ça très drôle. Qui serait prêt ? Est-ce que vous trouvez ça sain ? Est-ce que vous seriez prêt de vous acheter en viager ? Oui, à acheter et à vendre si j'ai besoin d'argent oui, tous les mois. Gérard ? Alors, acheter un appartement, non. J'avoue que j'ai acheté un viager. J'ai acheté en viager l'épouse de Philippe Gueluc pour pouvoir en jouir après sa mort. Mais ça, c'était particulier. Annie ? Oui, moi, je suis prête à acheter en viager. Je trouve qu'il y a des conditions honnêtes maintenant, encadrées par la loi, qui le permettent. Jean-Luc ? Non, je crois pas, parce que s'il faut refaire la déco après. Claude ? Non, ni acheter, ni vendre. Gueluc ? Enfin, c'est ce qu'elle dit, mais elle vient de me signer un papier et je lui ai acheté son appartement. Je veux remercier tous les deux, Madame Nicole Drey. Et monsieur Michel Arcas pour votre témoignage. Merci beaucoup. Merci. Mercredi prochain sort un film à ne pas manquer, Les Choristes, un film de Christophe Baratier avec entre autres François Berléand, Jacques Perrin et Gérard Jugnot, mais aussi beaucoup d'enfants qui sont évidemment les héros de ce film. Le film se passe juste après la guerre, ça raconte l'histoire de Clément Mathieu, un professeur de musique sans emploi, interprété par Gérard Jugnot, qui accepte un poste de surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs. Certains de ses enfants sont difficiles, voire même plus, et le pion décide de monter une chorale pour les sauver. C'est son côté scout toujours un peu à Gérard Jugnot. Et pour tester les choristes, on va accueillir celui qui, à mon avis, va encore faire beaucoup parler de lui grâce à ce film, Gérard Jugnot. La parole ! Ils ont déjà vu le film ? Alors, j'ai préparé un petit numéro. Et ça, j'étais sûr que ça allait vous plaire. Pour présenter le film. Ça vous donne envie d'y aller De loin. S'ils m'ont serré la main, j'étais un peu inquiet.
Un type que je voudrais bien voir, c'est le souffleur. Allez, on est dans un tout autre univers, autant le dire tout de suite. Heureusement, avec les choristes. Alors, j'ai pas l'habitude de mouiller comme ça, parce que mes camarades parlent pour moi souvent quand ils ont vu le film. Et j'y suis allé aussi en projection voir ce film, et je dois dire, j'ai été soufflé. D'abord, j'ai pleuré. Toute la salle pleurait. Non. Ah si, je vous jure. C'est des larmes de bonheur. Ah, mais des larmes de bonheur, mais des larmes quand même. Ouais. On pleure parce que c'est émouvant, parce que c'est beau, tout simplement. C'est un très, très beau film. Vous, vous êtes alors émouvant. Là, si vous l'avez pas cette fois-là, le César, alors là... On fait une manif. Ah non, je comprends plus rien, franchement. Ah si. Je sais pas, non. Ah si, vous savez que là vous êtes dans un chef-d'œuvre. C'est des mots terribles que vous prononcez mais là. Mais vraiment, écoutez, franchement Gérard, vous savez que vous êtes un génie absolu. Franchement. Non mais là vraiment je le dis. Je le sais mais il faut pas le dire trop parce que ça va se savoir. Ah, c'est vrai que le film est un très beau film et on est sur un petit nuage parce qu'il y a comme ça un accueil avec une ferveur magnifique. Le film s'est vendu dans le monde entier donc peut-être qu'on n'aura pas de César mais peut-être un Oscar. En tout cas... Moi, je suis prêt à parier pour un énorme carton. Je vais peut-être pas... Allez, tiens. Non, pariez pas. Comme Boujna, moi, je fais le tour de la place des Vosges à poil si vous dépassez pas les 3 millions d'entrées. N'y allez pas. C'est parce que moi, il faut le prendre. Je vous jure. Mais si vous avez envie de... Attendez, si vous avez vraiment envie de courir nu, mettez la barre un peu plus bas. Je suis d'accord avec Laurent, je n'ai pas encore vu le film. Mais je vous dis, rien que la bande-annonce... Eh bien la voici, la bande-annonce des choristes. Bonjour, je suis Clément Mathieu, le nouveau surveillant. Rassemblement ! Dios ! Ils sont comment les gamins exactement ? On vous a pas dit. On dit pas ça ! Silence ! T'as vraiment une gueule de connard, toi ? 3 km à pied, ça use. C'est du bon tabac dans ma tabatière. Je te nomme pupitre. Quoi? Je connais pas de chanson. Une chorale. Se réveille, debout. Monsieur le directeur, les gosses n'ont plus d'eau chaude depuis 3 semaines. Le froid, c'est très bon pour la circulation. Sortez. Au fait, Mathieu, finis la chorale. Monsieur le directeur. Merci, monsieur Mathieu. Un film de Christophe Baratier, c'est son premier film. Produit par Jacques Perrin et vous-même, je crois que vous êtes coproducteur. Non, je suis associé comme toujours. Associé. Comme toujours. Vous associez toujours? Toujours, quasiment. J'ignorais. Mmh. En tout cas, il faut le dire, le casting est merveilleux. Le casting des adultes, évidemment. Vous, Gérard Jugnot, dans le rôle du Dupion, professeur de musique, musicien raté, si on veut. François Berléand, salaud. À souhait, il faut dire, mais vraiment le plus odieux des directeurs qu'on puisse imaginer. Oui, c'est pas manichéen, il a des excuses un petit peu. Oui, il a des excuses, mais quand même, c'est un beau salaud. Oui, il faut citer... Vie, on dirait Freud, d'ailleurs. Hein. Évidemment, tous les enfants, avec en tête le petit Pierre Morange, Jean-Baptiste Monnier, qui chante, lui, vraiment. Oui, c'est sa vraie voix, et il a une voix hallucinante. Ah oui, mais il fait pleurer, quand il chante, on pleure. Et en plus, on pleure parce qu'il va la perdre, sa voix. Oui. Non mais c'est ça qui est terriblement beau et éphémère dans le film. Même le petit Maxence Perrin, qui est le fils de Jacques, qui est magnifique, le petit Pépinot, il lui manquait une dent. Une comme ça, c'était craquant, maintenant sa dent a repoussé et c'est fini, il n'y a plus ce charme. Quoi. Pépinot dans le film. Ouais, on peut lui péter la dent si vous voulez. Annie Lemoine, pardon. Pardon d'avoir montré autant d'enthousiasme, peut-être vous ne l'avez pas partagé, je n'en sais rien. Eh si, on s'est fait cueillir toutes les deux, Perry et moi, on y était hier soir, et on a pleuré à la fin, mais... parce que ça libère l'émotion. Ce film est un très joli hommage aux éducateurs, à tous ceux qui transmettent une passion comme vous dans le film, vous transmettez la musique qui va finalement sauver ces enfants, mais aussi à tous ceux, les anonymes, moi j'ai pensé à mes maîtresses d'école quand j'ai vu ce film. On ne les a pas oubliés parce qu'elles ont passé du temps avec nous, parce qu'elles nous ont donné des choses, et ça va au-delà de leur métier, ça véhicule de l'amour. Donc c'est un très joli film, ça a le parfum du film noir et blanc des années 60 dont s'est inspiré d'ailleurs le réalisateur, on croit voir un ancien film. Hein. Oui, oui il a repris le pitch, comme on dit, d'un film de Noël et de Jean Dréville, s'appelait La Cage au Rossignol. Je suis très très fier parce que je reprends le rôle de Noël qui est mon idole, dont je parlais souvent. Les gens l'ont un peu oublié, mais il avait fait des films magnifiques comme les casse-pieds. L'inoubliable. Non, le film sera résistant. Oh, bah, merde. Oui, le père tranquille. Le père tranquille, dont on s'était un peu inspiré pour
Il était dans les vieux de la vieille aussi. Oui, oui, et oui, aussi, le Père Noël, Noël est une ordure. Non. Très bien, Philippe. Perry, vous y êtes allé de votre larme aussi? Ah, oh bah évidemment, moi, toutes les trois. Attention, c'est pas un film triste, il faut le dire. Pas du tout. C'est un film joyeux, on pleure d'émotion, en fait. Ah ouais, non, les yeux humides. C'est tellement fort, on est... J'ai été prise dedans, mais vous jouez tellement bien ce rôle. Oui, vraiment. On se dit que vous êtes musicien dans l'âme. J'ai bien fait de venir. Ah oui, j'ai adoré ce film. Non, non, pas toujours. J'ai adoré ce film, mais vraiment. La vraie recette de ce film, c'est aussi que ça nous change de tous les films. C'est-à-dire que c'est un moment de bonheur. On en voit tellement peu au cinéma, ça nous change de toute la violence, tous les films américains. Tout... Je crois qu'il arrive au bon moment, ce film. C'est-à-dire qu'on a envie de ça en ce moment. Mais... On a envie de... Non? Si, je crois qu'il arrive vraiment au bon moment. Mais moi, ce qui me rend un peu triste en vous écoutant parler, parce que je n'ai pas encore vu le film que je vais aller voir, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que le métier que vous avez dans ce film, c'est le métier de surveillant, de pion. Et là, nous sommes tous émus parce qu'on voit des enfants difficiles qu'un pion humain prend en charge. Or, c'est précisément cette profession de pion et de surveillant qu'on est en train de faire disparaître et qu'on veut remplacer par des flics dans les écoles. Alors, je souhaite qu'il y ait des millions de personnes qui aillent voir votre film et aussi qui sachent respecter ce type de profession-là que vous avez illustré dans le film. Jean-Luc, vous l'avez vu. Moi, j'ai été pion, même. Vous avez été pion? Moi aussi, d'ailleurs. Moi, j'ai été pion à la cantine. Je surveillais les... enfin, j'essayais d'atténuer les lancements de boulettes et de purée. Et on m'appelait Attila. Je ne sais pas pourquoi ils m'avaient surnommé jamais Attila. Jamais tête d'œuf, comme dans le film. Non, attends, crâne d'obus, non, j'avais des cheveux à l'époque. Oh, mais à ce propos, je voudrais profiter de votre présence, parce que vous portez rarement la barbe, et je voudrais voir comment, à quoi vous ressemblez quand vous avez des cheveux. Jean-Luc, vous l'avez vu le film? Oui, c'est un très beau film. Pour moi, ce film, c'est un gâteau de grand-mère. Donc c'est bon, mais aussi parce que c'est fait qu'avec des bons ingrédients. Donc il y a une belle histoire, il y a des bons comédiens. Ils sont tous parfaits. Berland est odieusement génial. Il y a des bons sentiments. C'est agréable à déguster. À la fin, on a sa petite larme. Donc je trouve ça super. Le seul petit bémol, c'est que finalement... C'est là où je me suis aperçu que j'étais complètement cynique, c'est que c'est exactement le film que je m'attendais à voir. Et finalement, presque trop positif, et ça manquait un poil de cynisme, donc je me suis aperçu que j'étais perdu pour la France. On a dit évidemment qu'on avait souvent la larme à l'œil, mais on rit aussi souvent dans le film, il faut le dire. Il y a cette scène, c'est pas le casting, mais cette scène où vous écoutez chaque petit élève en train de chanter pour savoir s'il va être basse, soprano et j'en passe, et chaque élève qui passe devant vous, qui chante une chanson différente, avec une voix différente, une bouille différente, c'est franchement des moments de rigolade, il faut le dire. Une sorte de Starac. Une sorte de Starac, ouais. Ouais. Ce qu'on comprend mal dans ce que vous dites, Laurent, c'est est-ce que vous trouvez que c'est un bon film? Ça a repoussé, ça y est. Ah, c'est malin. C'est drôle, ça. Gérard Jugnot dans Les Choristes, ça sort mercredi prochain, on vous en reparlera. T'as qu'à finir. Le boxeur Fabrice Tiozzo, qui boxera le 20 mars prochain pour reconquérir le titre mondial des mi-lourds, déclare « J'ai entendu dire que j'étais une grosse... » Merde. Ta fiole. Qui ne pensait qu'à... Ça a décuplé ma motivation. Grosse patate. Grosse merde. Non, pas merde, pas patate. Lopette. Pas lopette. Ta fiole. Non, pas ta fiole. Une grosse... Alors, qui ne pensait qu'à l'argent. Non, pas l'argent. Alors, s'amuser. Pardon? S'amuser, non, non, boire... Non, non merde, tout ça, c'est pas mal. Mais larve. C'est... Larve, presque larve. Lopette, mais... non, la pas grosse... Plus près de larve que de lopette. Limace? Limace. Non, pas limace, c'est pas un animal, ah, non. D'accord. Une larve, c'est quoi? C'est quelqu'un de... Molasson. Flasque. De mou. De flasque. Mou, une grosse, ouais, endive. Pas endive, mou... Flasque. Une grosse sèche, une grosse... Non. Une grosse calamar, non. Une grosse... Un synonyme de larve, de mou, de quelqu'un qui fait pas grand chose. Fainéant? Alors, Feignasse. Une grosse feignasse. Bravo, Annie Lemoine. Il pensait qu'à dormir. Pas qu'à dormir. Picoler. Pas picoler, mais. Qu'à traînasser. Bouffer. Bravo, Philippe Gueluc. Une feignasse qui ne pensait qu'à bouffer. Drôle. Il a du vocabulaire, cet homme-là. Il est boxeur en même temps. Jean-Marc. C'est fou, je vais vous en prendre un. Ah oui, oh, bon, c'est qu'une grosse feignasse qui manque à bouffer. Jean-Marc Morandini déclare « Pour réussir dans ce métier, il parle de l'audiovisuel, il faut respecter la règle des trois L. Je couche, je ferme ma gueule. Non. Je lubrifie. L, ce ne sont que des verbes qui commencent par L. Je lèche. Alors, je lèche, c'est le premier.
Je lèche, je te bouscule. Je lime, Gérard. Je sais pas. Je lèche. Je cherche en elle, il a raison. Moi, je cherche en elle. C'est trois mots qui se ressemblent d'ailleurs. Hein, là. Je lèche. Je lâche. C'est une sorte d'allitération. Je luche. Je lèche, je lâche. Je loche. Je luche. Je luche. Je lèche. Je lâche. Je lâche. Bravo, Jean-Luc Lemoine. On termine avec Jacques Séguéla qui déclare les. Les vins. Non, c'est comme les parfums, il faut les respirer, pas les boire. Les politiciens. Les slogans. Alors, pas les slogans, les pas les politiciens, mais on n'est pas très loin. Les promesses. Pas les promesses. Les candidats. Non. Ça, rapport à la publicité ou pas? Pas la publicité. À la politique. À la politique. Les programmes. Les programmes. Non, il en a été victime d'ailleurs. Lui les est... affiches. Les compliments. Non, lui et son candidat Jospin, puisque c'est lui qui les s'est affiches, les affiches, les sondages. Bravo Jean-Luc Lemoine, c'est tout fort. Allez, les choristes, ça sort mercredi. Vous avez la musique en CD, le livre, mais surtout le film, mercredi prochain, dans toutes les bonnes salles. Merci, à demain.